il faut faire venir ceux qui sont à l'extérieur. Mais ce n'est pas avec cette manière-là que ceux qui traînent les pas vont venir. On est en train de les décourager. Mieux, on est en train de mettre tout en œuvre pour que certains se découragent dans la salle et quittent la salle pour continuer ces manœuvres-là malsaines, habituelles. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Certains ici, c'est des personnes qui, en réalité, nous autres, nous ne retenons rien de positif de leur passage à la tête des institutions de l'État. Nous aimerions bien qu'ils posent au moins à cette occasion-là des actes positifs pour que demain nous parlions bien à nos enfants d'eux. S'il vous plaît, soyons sérieux pour une fois pour notre pays. Sérieux une fois. Ce vote à main armée ou à main levée, là, il faut abandonner ça. À main armée ou à main levée. On sait ce que, où est-ce qu'on veut nous conduire. Et ça, les dés sont pipés d'avance. Et nous ne voudrions pas ça. Et ça, c'est une alerte. On revient à des meilleurs sentiments pour que les choses se passent bien. Ne nous poussez pas les gens à quitter la salle. Ne poussez pas ceux qui sont dehors là à dire, voilà, on vous a dit. Faites les choses autrement. J'ai quelques secondes, Monsieur le Président. Je vous le conjure. Je parle avec beaucoup de blessements au cœur. Je vous demande, s'il vous plaît, d'abandonner cette façon de faire. Il faut abandonner. On ne peut pas faire le vote à main levée. Je vous en prie. Merci.